Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure où on regarde des vidéos ça. C'est un plaisir pour nous rencontrer ensemble aujourd'hui ça. Donc c'est toujours le même plaisir, même contentement. Et une grosse salutation pour chaque grand monde qui toujours prend plaisir pour suivre nos sites ça qui c'est www.educationlacaille.com. Donc je dis à comme nous connaissons ça déjà, c'est 18 mai et qui symbolise fête drapeau pays d'Haïti. Donc, nous voulons profiter du même moment ça pour nous faire parler ensemble de Bicolosa, qui c'est bleu et rouge, qui symbolise le drapeau pays d'Haïti. Donc, c'était un jour, comme je dis, 18 mai 1803, que Dessalines, avec gros dame ça, qui était les Catherine Flon, a pris l'initiative pour que y ait coude. Un drapeau pour pays ça. Donc, gen bagay nous pas connaît de création un drapeau, mais je dis que nous voulons faire un petit parler ensemble avant sur ça, qui est très 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 important. Donc, drapeau ça nous gagne, je dis à qui c'est bleu et rouge. Est-ce que c'est consalté? Comment le tailler et pour qui ça je dis à Lévin comme ça. Donc c'est ensemble des questions que nous sommes si d'apprendre tant pour nous élaborer sur vous. Donc qui qu'à prendre toute une journée, mais comme étant donné que nous n'avons pas tout le temps ça, nous faisons un bref rappel sur et sur ce sujet ça pour que nous découvrions quelques vérités sur bagaille ça. Maintenant, pour que yon coude yon drapeau pour yon pays, c'est pour une initiative qui est faite du jour au lendemain. C'est pour un bagage qui en est fait pour nous dire, eh bien, on a coude yon drapeau pour pays ça. Non, il y a une pluralité de bagages, il y a un ensemble de bagages que vous mettez ensemble, il y a un ensemble de processus qui joignent ensemble pour que yon coude drapeau ça. On a mis tout et processus humain de côté. On nous garder dans le monde spiritisme. Donc, là, on parle de monde spiritisme. Donc, nous connaissons que dans le monde entier, il y a une étape esprit. Il y a une étape esprit que ce soit esprit mauvais, que ce soit le bon esprit, mais il y a un ensemble d'esprits qui gouvernent. Le monde en bas contrôle yon grand Dieu trinitaire. Donc, pour que yon coude yon drapeau pour un pays, yon ensemble de esprits que yon interpellé pour yon chita ensemble, pour yon mettre tête yon ensemble qui pour dire, eh bien, ok, nous connaissons ça, mais pour le pays d'Haïti, mais qui coule le drapeau, que nous choisissons pour que le pays ça adopte. Maintenant, ceci est tellement vrai, pour qui ça fait tout pays pas le même symbole dans le drapeau, pour qui ça tout pays pas le même couleur de drapeau, non. Gagnons ensemble d'esprit qui chita, qui dit, mais bien, pour le pays d'Haïti, pour le pays États-Unis, pour le pays de la France, mais qui couleur de drapeau n'a pas adopté pour tel pays. Pays. Donc, si nous voulons faire une rétrospection, j'en ai toujours dit, drapeau que Dessalines te mettait ensemble avec Catherine Flon pour tes coudes, 18 mai 1803, pour payer ça, c'est pas de couleur, bleu et rouge qu'il était. Nous connaissons déjà que couleur qui était pour payer ça, c'est une couleur noire. Et rouge. Noir et rouge, c'est lui-même que tout le monde te mette ensemble, que tout esprit te mette ensemble pour que tu aies adopté couleur de la pour ça pour le pays d'Haïti. Maintenant, je ne chose à soit constater ou à pouvoir que nous avons une autre couleur de la peau qui c'est bleu et rouge. Maintenant, qui ça signifie, qui conséquence ça a gagné sous pays ça.
les gagnons et équipe esprit qui reconnaît pays d'Haïti sous telle couleur drapeau. Maintenant, je vous dis ça, l'ovine prend décision pour dire ou va changer couleur drapeau, ou va changer et symbole. Donc kounya là sans consultation et esprit ça yo, sans consultation moun ça yo, donc kounya là ça vient porter une divergence en dans pays ça qui c'est Haïti. Donc moi même seul ça m'ta remet que nous on comprenne. M'ta remet nous comprendre que divergence qui gagne en Haïti ça, c'est une divergence qui profonde. C'est une divergence qui tellement aller loin. Donc faut nous ta font constat de ça pour nous ta dire eh bien mais qui élément de changement que nous devons porter pour conflit ça qui vient en Haïti ça. Donc premier bagage que nous devons faire, élément primordial en pour nous essayer de résoudre dans conflit ça, c'est retourner avec drapeau ça comme nous avons un leader en Haïti. Chaque ça chaque côté il va aller où elle toujours prend drapeau ancien drapeau ça qui c'est noir et rouge. C'est ça qui symbole Pali. Donc nous apprécions ça ça et nous rete quoi que c'est un élément essentiel en dans gestion conflit qui gagne en Haïti ça. Donc création de drapeau c'est pour un bagage qui fait comme ça. Donc malheureusement nous pas gagné assez de temps pour nous parler en long et en large, mais en un mot d'après dit ça encore élément essentiel en dans gestion conflit ça qui gagne en Haïti ça, c'est retourner avec drapeau pays d'Haïti qui c'est noir et rouge. Donc merci pour chaque monde qui t'a suivi nous sur Chanel ça. J'espère retrouver encore pour une autre vidéo dans l'autre mois. Merci.